Thank you.
Il est magnifique, n'est-ce pas? Il s'agit d'un Ampelos, une créature que nous étudions depuis peu. Auriez-vous quelques instants à m'accorder? J'aimerais un rapport sur vos dernières découvertes. Ce sont des fleurs. Les Elpis sont des Antelieschi, comme moi. Ces fleurs ont été créées au sein de ce complexe, d'où leur nom. Une chercheuse qui adorait les fleurs travaillait ici autrefois. On raconte qu'elle aurait mis au point cette espèce par accident au gré de ses expériences. Les Elpis ont ceci de particulier qu'elles changent de couleur en fonction de l'humeur des personnes autour d'elles. Tu constateras toutefois que la majorité sont d'un blanc immaculé, que ce soit ici ou ailleurs. Donc, elles reflètent le cœur des hommes. Je me demande bien par quel miraculeux procédé. Je peux t'expliquer. D'abord, il faut savoir qu'il existe dans le monde une énergie autre que l'éther, une force mue par les émotions. Les Elpis sont capables de capter cette énergie et de la transformer, de la même manière que nous manipulons l'éther. Évidemment, elles sont dénuées de volonté propre. Mais cela ne les empêche pas de percevoir les émotions environnantes et d'y réagir, en l'occurrence, par de subtiles variations chromatiques. L'akasha est un concept très important dans l'alchimie tavneroise. Il désigne une énergie invisible à l'œil nu. L'akasha. Le terme ne me dit rien, mais à t'entendre, il s'agit probablement de cette même forme d'énergie que je vous ai décrite. Ici, nous l'avons baptisée Dynamis. En outre, il existe des êtres capables, à la façon des Elpis, de manier le Dynamis, autrement dit, de convertir les émotions en phénomènes tangibles. Ces individus spéciaux sont appelés Antelieschi. Moi, j'en suis une d'Antelieschi. Oui, et pas n'importe laquelle. La toute première au monde à être douée de conscience. Attends. Une énergie autre que l'éther, tu dis? Baptisée Dynamis? Comment se fait-il que même moi, je n'en ai jamais entendu parler? Ce n'est pas si étonnant. D'une part, le Dynamis est invisible et imperceptible. D'autre part, même si l'on a pendant très longtemps soupçonné son existence, celle-ci n'a été confirmée qu'après l'heureux incident que fut la création des Elpis. Enfin, le Dynamis est une forme d'énergie bien plus faible que l'éther. Sa présence se retrouve par conséquent éclipsée en temps normal. Et il n'y a guère de raison d'aller puiser dedans pour des créatures comme nous qui disposons d'éther en abondance. Celui-ci répond déjà à tous nos besoins. Autrement dit, le Dynamis existe sans vraiment exister. En toute logique,
il n'est connu que de la poignée de chercheurs qui s'y intéressent. Je vois. Et cette fille, Météion, c'est ça? Cette entéléchie que tu as mise au monde, c'était pour... Notre planète, Éthéris, regorge tout particulièrement d'éther. C'est d'ailleurs de là que lui vient son nom. Cependant, les scientifiques estiment que c'est le dynamis qui représente la majeure partie de la masse et de l'énergie de l'univers. 68,3% pour être exact. C'est énorme comparé à ce que pèse l'éther. Maintenant, imaginez que l'on soit capable de manier cette force à notre guise. Aussi vrai que l'eau peut fendre la pierre à condition d'y appliquer une pression suffisante, le dynamis pourrait bien devenir la source d'énergie la plus puissante qui soit. Enfin, je dis ça, mais je ne nourris pas d'ambition aussi démesurée. En ce qui concerne Météion, je cherchais simplement à fabriquer un être capable de voyager par-delà les cieux, dans l'espace intersidéral. Et comme l'éther se fait rare loin de notre planète, je voulais qu'elle soit mue par une autre forme d'énergie. Ah! C'est pour ça que son éther était aussi pauvre. Tu as tout compris. Le tien aussi, il est tout rabougri. C'est pour ça que j'ai cru que t'étais une entéléchie, comme moi. Je me suis trompée. Ouais. À mon avis, c'était plutôt la force du désespoir. Ce n'est pas parce qu'une personne possède peu d'éther qu'elle est une entéléchie, même s'il est vrai que cela facilite en général l'interaction avec le dynamis. De fait, cette carence pourrait t'amener à retourner des situations désespérées en ta faveur. Voilà donc, non pas comme un handicap, mais un atout. Oh, je l'avais complètement oublié, le pauvre. Attendez-moi quelques instants, je finis de l'examiner et je suis à vous.